Inscris-toi à notre jeu Bac Academy et gagne ton baccalauréat afin d'entrer dans une grande école de ton choix. Tu aimes la compétition? Tu as envie de te surpasser? Alors n'hésite plus. Inscris-toi tout de suite à notre jeu vidéo en réseau d'un réalisme jamais atteint. Bac Academy et deviens un être d'exception. Trois équipes vont s'affronter. Première équipe menée par Stéphanie, notre charmante secrétaire qui donnera ses directives à ses deux avatars, le curé et le rasta. Notre deuxième équipe se compose de Nicolas, un dynamique jeune homme qui dirigera deux sémillantes jeunes filles, une infirmière et une soubrette manga. À la troisième équipe, elle est dirigée par Alice, une jeune geek qui aura sous ses ordres Natacha, une fille qui n'a pas froid aux yeux et l'inquiétante Catwoman. Natacha, c'est Alice. Regarde sur ta droite. Sur ta droite, j'ai dit. Tu verras, il y a une porte fermée. Oui, voilà. Mais reste vigilante quand même. Ça peut être un piège, on sait jamais. Ouais, t'inquiète, bien sûr. Oui, Kat, c'est Alice. Oui, c'est juste pour te dire que l'escalier est vide. Donc tu peux monter. Mais fais très attention, on sait jamais. Voilà, je m'appelle Alice, j'ai 18 ans. J'ai loupé mon bac en étant au rattrapage. J'ai vu la publicité Bac Academy et justement, je voulais m'y inscrire pour pouvoir faire mes études d'ingénieur car mes parents n'ont pas les moyens financiers. Et vu le taux de chômage qu'il y a, j'ai envie de m'assurer un grand avenir derrière, enfin d'assurer un avenir derrière moi. Donc voilà. Le curé, va à gauche. Prends l'escalier, c'est ça. Maintenant, tu te caches, il y a un autre avatar qui arrive, hein. Dépêche-toi, tu vas te faire tuer, là! Je sais, je suis guidée par la voix de Dieu. Mais tais-toi, je sais ce que je fais! Thank you.
Putain, mais quelle conne! Mais qu'est-ce que t'as foutu, bordel? Tu pouvais pas faire attention? Hein? Regarde où tu mets les pieds! Et toi, l'infirmière? Dépêche-toi de préparer ta seringue! Mais... qui c'est qui m'a foutu des gonzesses dans ce jeu? Mais qu'est-ce qui se passe? Mon père, pourquoi elle se relève pas? Bah évidemment, elle vient de rejoindre son cratère. Vous voulez dire qu'elle est morte? Ah, les vicissitudes de son existence viennent de se terminer pour elle. Mais ce n'est pas possible! Venez vite, mon père, j'ai besoin de me confesser. Je n'ai pas le temps, je dois me rendre au conclave. Mais c'est moi qui commande. Écoutez-moi ou je ne vous guiderai plus. Justement, j'ai besoin de son pardon, j'ai péché. En m'inscrivant ici, je voulais juste que mes parents remarquent mes efforts, mais je n'ai fait que tuer. Soit. Je suppose que je peux vous accorder 5 minutes. Faites vite, mon père. Je suis l'avatar de la secrétaire, je m'appelle Michel. Je suis non pratiquante, mais le monde religieux m'a toujours fascinée. Je veux absolument avoir mon bac pour permettre à mes frères et mes sœurs de survivre. Vous voilà enfin! Pourquoi voulez-vous arrêter le jeu? Mais je ne comprends pas! Je ne pensais que ce n'était qu'un jeu, que ce n'était pas réel! Mais vous l'avez tué pour de vrai! Ne vous inquiétez pas, elle a rejoint la vie éternelle. Mais vous êtes fou! Vous êtes complètement fou! Il faut que je sorte d'ici! C'est ça pour que ma famille continue de crever de faim! Ici le régulateur, je me vois dans l'obligation de vous énoncer quelques règles à suivre. Règle numéro 1, ne pas tuer son joueur ou le trahir. Règle numéro 2, ne pas tricher. Règle numéro 3, ne pas fraterniser avec les avatars ennemis. Règle numéro 4, il est interdit d'abandonner le jeu. La joueuse secrétaire a été tuée par son avatar, le curé, que j'ai dû moi-même exécuter pour avoir désobéi aux règles. C'est pas vrai! C'est autour de l'autre pouf maintenant! À croire que tout est contre moi! C'est pas possible! Mais qui c'est qui m'a foutu ça? Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 19 ans. Et contrairement à ce que tout le monde croit, je ne suis pas là pour avoir mon bac. Je suis là pour me venger de ces connards! Ils se moquaient tout le temps de moi quand j'étais au lycée, tous les jours. Mais c'est à mon tour de rigoler.
Ça va saigner, vous allez voir. Préparez vos mouchoirs. Cool, mon frère. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais ça va pas. Tu fais moi la maligne maintenant. T'amusais bien, toi et tes copains, de m'humilier tous les jours. Hein? Tu vas danser maintenant. Nicolas m'a repéré. J'ai peur de me faire tuer. Ok, j'arrive. Tiens, tiens. Qui est-ce que je viens de trouver? Non. Je veux crever, la geek. Première partie de notre jeu Back Academy est désormais terminée. Alice et son avatar Catwoman sont déclarés vainqueurs. Félicitations à elles. Quelque chose. Voilà, je ne suis pas inscrite dans ce jeu pour avoir mon bac, ni pour le gagner. C'est juste en fait pour rencontrer mon père. Et qu'est-ce que tu racontes? Oui, mon père c'est le créateur du jeu. Il nous a abandonné ma mère et moi quand nous étions plus jeunes. Maman est morte il y a quelques mois. Et j'ai découvert des lettres. J'ai essayé de lui envoyer des lettres, mais je n'ai jamais eu de réponse. C'est pourquoi je me suis inscrite. Je veux le rencontrer. Et tu veux qu'il t'aide, c'est ça? Oui. Ok, mais il est possible que plus tard, je te demande un service en échange. D'accord, ça marche. Il est lourd.